est brillant dans ce liseron. À l'attaque, hein. Allons prendre la bête. Oula, ça c'est une arène de combat, ça je reconnais. Ça va chier. On sera attaqué par ces Juani. Merci pour le GG. Regarde, quelque chose est gravé sur le sol. C'est quoi? On dirait un œil du néant. Tu n'as pas trop l'air dans ton assiette, frangin. Ça va? Eh, peut-être que... Waouh! Ah! Alors, c'est un des monstres du néant? Ah, c'est bien ce que je pensais, ouais. Comme celui qu'on a vu combattre à Nivia près de la grotte. Et ces statues qui regardent d'en haut. Attends. Oh! Je connais cette histoire. Voilà, mais c'est Juani, Lysandre. L'une sourde, l'autre aveugle, et la dernière était muette. Comment ça? Les trois sœurs ont combattu ensemble contre l'abysse. Et l'une d'elles s'appelait Lysandra. Comme la sorcière. Qu'est-ce que tu en penses, Willem? C'est super géant, hein? Attendez, je crois que je suis une merde. Je crois que je vous ai dit que les trois sœurs... Je crois que je vous ai dit que les trois sœurs, c'était Sejuani, Lysandra et Ash, mais je crois que je vous ai dit de la grosse merde. C'est pas grave, vous irez voir sur internet. Décidément, les machins du néant, c'est pas ton truc. Moi, j'attends très très fort le raid dans le MMORPG... où on combattra le néant, hein, ça va être ouf. L'extension même, l'extension du néant, ça va être incroyable. Hein. J'ai vu le trailer la dernière fois. Les Veilleurs, les sombres créatures qui règnent sur le royaume du néant. Elles luttent sans cesse pour envahir et détruire Runeterra. Pour l'heure, elles sont emprisonnées dans les profondeurs de la citadelle des gardiens du givre, scellées derrière un gigantesque mur de glace pur. Mais, dans cette prison, leur puissance croît un peu plus chaque jour. Ah mais les Veilleurs sont enfermés... sous la citadelle des gardiens du givre, donc. Mais je croyais que Vel'Koz c'était un... Non, Vel'Koz c'est pas un veilleur. Il me semble que Vel'Koz n'est pas un veilleur. C'est quoi ces boules d'étincelles? C'est quoi cette merde? Non, t'en fais pas. On va les avoir. Regarde. Mais c'est quoi ça? Geler les boules d'élémentaire avec des boules de glace. Ah bah excellent, c'est fait. Bien joué, Nalf. More are coming! Merde! Merde! Comment, pourquoi vous tankez autant? Mais je vais mourir! Ah, je suis un peu dans la merde, on va pas se mentir. Debout! Debout! Ok, il a dunk comme un BG. Ok, je vois les attaques. Je vois les attaques, vous inquiétez pas, je vois les attaques. J'avais du mal à identifier les attaques, mais c'est chose faite. Ça y est, je suis fort au jeu vidéo. Bravo, Nalf. Super, c'est un peu long. Attention. Pourquoi je peux pas les attaquer? Ça fait peur. Oh, l'ulti. Oh, la dogs. Oula, oula, oula. D'accord. Élémentaires, de maléfiques créatures magiques invoquées par des sombres sortilèges. Les élémentaires lancent des puissants éclairs sur leurs ennemis. Ils semblent incroyablement forts, mais sont vulnérables à la magie de glace. Ce qui est particulièrement chiant quand t'es à Freljord. Wow! Tu as gelé toute la pièce! Tu t'es entraîné? Super, Willump! Mais c'est ainsi que Willump... tu as Nunu, hein? Hop! Eh, hey, l'ulti de Willem, c'est pas c'est pas des lol. Tu as glacé la sorcière de glace. Non. La baie de Jurle, ça brille. Non, faut pas le manger.
travail paye, Willem. Bien sûr. Non, pas touche. Mais il veut tout bouffer, ce gros con. Il est trop mignon, hein, quand même. Oh, une nouvelle entrée dans Glossaire. C'est moche comme nom, Glossaire. Ils ont pas pu mettre Codex, comme tout le monde. La baie de Jurle, l'un des deux grands trésors que Nunu et Willump devaient trouver pour pénétrer dans la montagne ailée. La baie de Jurle pousse sur la tête d'une statue d'Hécatie de Lysandra, l'une des mythiques trois sœurs de la légende. Moi, le lore, je le bois goulûment. Hein, je le gouloute. C'est cool, on prend une baie, il y en a 12 qui poussent. Comment ça? Pardon, excusez-moi. Mais pourquoi ils ont dit je suis mort? Bah alors? Plus vite! Bien, il est pas trop chiant encore. Il est pas trop chiant encore le gamin. Alors, Orn voulait deux choses. On a déjà la baie de Jurle. Et maintenant il faut. Exactement. Après l'ouest, on se dirige vers l'est. Exactement. Oh, vous pariez combien que je peux geler ça et trouver un secret? Allez, je vais geler ça et trouver un secret. Je veux des secrets. Je pense que c'était pas assez clair encore. Oh non, jure. Oh non! Je suis deg. On peut pas. On rentre la queue entre les jambes, chers amis. Il y aura pas de secret ici. La baie de Jurle. Plus vite, Yannivia. Ah, peut-être pas, hein, toujours. Donc les trois sœurs ont fait la guerre il y a longtemps contre le néant. En gros. Ok. Quelle est la plus forte? La glace pure ou obscure? Obscure. Oh, allez, Willem! Tu ne parles jamais de ça! Il n'en parle pas parce que toute sa famille s'est fait désinguer par la glace obscure, en fait! Moi, je le comprends, les hein! De qu'est-ce que je fais là? Ah oui! Putain! Ah! Non, mais je suis le pire joueur, hein! Oh! Oh, on peut rester dans l'eau. Oh la dingue. Oh non, je pensais pouvoir gruger, mais je peux pas. Je suis deg. Hop là. Excellent. Hop là. Oh là là! Je me demande si le let's play va pas partir sur la chaîne principale. Hein. Il ne reste plus que le Kellurel. On progresse. Pardon? Ah oui. Oh là là, mais j'ai oublié de remettre mon. Bébé! Ils sont trop belles les vaches. Je peux les attaquer? Ah non. C'est où? Ah, c'est là-bas le jardin. Direction le jardin. Regardez, il y a des pierres de foyer de World of Warcraft. Hey, Willem, c'est quoi cette odeur? Il a pété. C'est toi, frangin? Oh, t'as besoin d'un bon bain. Il proteste. Oh non, attends, c'est moi. Ça sent très bon. Oula, bizarre un peu. Bizarre la conversation, bizarre. Hein. Typique conversation de joueur de LoL. Oui. Oh, cette porte est gelée. Elle mène peut-être au jardin de glace dont parlait Orn. Oh, je peux jouer de la flûte. Attention. Super. Alors on repart. Comment ça on repart? Oh la dingue. Plus vite que le vent. Oh, les ralentissements quand je change de zone à chaque fois, c'est quelque chose. Attendez, c'est quoi ça? C'est rien. Ouais, ça représente des yétis, j'ai l'impression, mais bon, tranquille. Pouiti. Tu crois que ce truc pourrait être le Kellurel?
Orn a dit qu'il fallait qu'on reçoive quelque chose du Kellurel. Mais je sais même pas ce que c'est un Kellurel. Oui. Qu'un moyen de le savoir. Explorer. Ouais, on va explorer. C'est le genre de jeu qui te donne envie de jouer les champions que tu croises, sauf qu'une fois que tu fais ta game de LoL, bah t'as juste envie de mourir. Je descends. Mais il mange les Krogs! Oh non, c'est dégueulasse. Willump. Willump! Trou du cul! Tiens! Sale bête! Il mange les Krogs, ce gros con! C'est cassé! Comment on va traverser maintenant? Pas loin de la catastrophe, là, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu montres? Ah oui, la porte, oui, mais y'a plus de pont. À moins que tu me lances, tu peux me lancer de l'autre côté peut-être. On va faire le tour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim, le sein? Merci. Oh, c'est bon. C'est des grosses myrtilles. Ok. On sort la flûte. Non. Excellentissime. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas ce que tu me montres. Équiper la flûte. Oh putain, d'accord. Tu... Non putain, mais j'ai pas joué. Si... Si... Ben voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Se plaint de quoi? Attends, je vais t'aider. Comment ça, tu vas l'aider? Je sais pas moi comment l'aider. Attends, moi je peux sauter. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Vive la flûte. Allez, avance, avance mon gros. Heureusement qu'il n'y a pas un temps limite, hein. Équiper la flûte. Ah oui. Non. Super. Cette glace magique a réparé le pont. Eh, c'est cheaté, hein. Attends, va pas trop vite en besogne, frérot. Il y a peut-être des secrets. Qu'est-ce qu'il fait? Bah non, frère. Oh merde. Excellentissime du cul. J'y vais sans Willump, hein, c'est pas grave. Je veux pas rater d'éventuels... Y'a rien. Je me suis pété une jambe là? Non, c'est bon. J'avoue que Willump, il aime bien manger un peu tout et rien. Hein. Salut à ce carré, vous allez bien? Salut, je suis de retour. Alors, la flûte. Excellentissime! Pourquoi tu fais ça? Oh! Oh! Oh là! Ah non, mais c'est beau. Waouh! Willem! C'est quoi ça? C'est quand même joli, hein. Jardin de glace, de la glace qui voudrait être autre chose. Un paysage spectaculaire de glace innervé par une étrange magie. Ces myriades d'animaux gelés n'ont pas été sculptés par un artiste, mais par l'envie de la glace d'être autre chose que de la glace. Avec un peu d'aide, ce sera peut-être possible un jour. Oh! C'est beau! Des statues! Qui les a faites? C'est... incroyable! C'est joli, hein? Ouais, c'est joli, hein? C'est quoi? Pourquoi ça secoue? Ah, c'est la porte. T'es tranquille. Il s'éclate.
pas des secrets. Wow, regarde leurs yeux. Les yeux de qui? Ah oui. Glace pure. Hé Willem, tu sais comment je vais les appeler? Les yeux purs. Marrant ça. Je regarde un petit peu, excusez-moi, hein, vous avez l'impression que je tourne en rond, mais c'est parce que je regarde un peu les statues et tout. Je trouve ça joli. Les yeux purs. Un dauphin. Vous allez me dire qu'ici, il n'y a pas de poro à nourrir. 100%, il y a un poro à nourrir quelque part, hein, je le sens. C'est le lore de Nunu. Oui, c'est l'histoire de Nunu et Willump. Après, on n'a pas vu leur rencontre et tout ça. Mais en tout cas, c'est une aventure de Nunu et Willump. Ok, je peux pas. Comment ça, Waf? Qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Hé, où vas-tu? Je peux pas te suivre, moi, je suis petit. Ah non, c'est bon. Salut, mec. Tu as déjà vu quelque chose comme ça, Willump? Des créatures de glace? C'est très rare. Wow. Il y a de la chance, Nunu, hein. Il voit tous les trucs les plus rares de Freljord. Il a même pu voir Horn, quoi, c'est dire. Ce truc sur le dauphin me parle. C'est un oiseau. Oh! Tu veux faire une autre bataille? T'as perdu la dernière, je vais le défoncer. Bienvenue à tous dans un nouveau combat entre Nunu, le plus petit des notailles, et Willem, le plus grand des yétis. Dans ta gueule, dans ta gueule! Mange, mange! Ça sert à rien de te cacher! Ouais. Yeah. Comment j'ai esquivé ça façon Dark Souls? Aïe! Oh le con! Reviens. Ça sert à rien de te cacher, t'es trop grand. Oh non, non, j'arrive pas à esquiver, je suis nul. Yeah! Yeah! Mais je sais pas viser. Aïe, je me suis tout pris là. C'est quoi? Oh le tricheur! Ah mais je peux charger moi aussi, attends. Aïe, 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 attends. Ah, je peux pas charger moi, je suis deg. Aïe, je vais pas perdre quand même. Non, c'est bon. J'ai été meilleur. Je suis le seul vrai maître de la boule de neige. Tu devrais abandonner. Il est pas d'accord, le boug. Tu te moques de moi? Je gagne tout le temps. Tu sais, Willem, je me disais qu'on pourrait créer un tournoi de bataille de boule de neige. Que pour les légendes. Oh, trop mignon. Hop. Je parie que Brom irait en finale. Oh, karma instant, dans ma gueule. Le jeu est sorti, oui, le jeu est sorti le 1er novembre. Bonsoir, bienvenue. Go faire un jeu pour chaque perso, vive la moula. Ah, moi, j'achète tout. J'achète tout. En vrai, il y a deux jeux que j'ai pas encore fait, hein. C'est Convergence et... Et le jeu avec Silas. Mais le truc, c'est que le jeu avec Silas, il est pixel art. J'adore le pixel art, mais là, c'est très pixel. Hein. Genre, la tête de Silas, c'est un pixel, quoi. Du coup, ça me bloque un peu. Et il a l'air cool, mais... Ah, puis après, je vous avoue que l'histoire de Silas... Je tamponne un peu le cul. Attendez, gauche ou droite? Oula, oula, oula! C'est par où? C'est peut-être par là, mais moi je veux pas prendre le bon chemin, je veux prendre le mauvais chemin pour trouver des secrets. L'histoire de Silas, je m'en fous un peu. Convergence, c'est Echo. L'histoire de Echo, enfin voilà, le personnage, je l'aime pas, mais faudrait que je fasse quand même Convergence. Et Rune King, c'est vraiment un jeu excellent, qu'il faudrait peut-être que je lance en stream, mais là c'est parti pour 8 streams, donc je sais pas encore. Ah oui, ça pète le... Oh, on a trouvé une chanson. Je suis content. C'est bien, on a trouvé un secret. Je suis refait. Alors, la chanson, comment ça se passe? Faut que je sorte la flûte. Ok. Je me déteste! Pardon.
Superbe. Superbe. Excellent. Magique. Ça parlait de ces statues bizarres. Ça vaut le coup de regarder Arcane. Oui, ça vaut le coup de regarder Arcane. D'autant plus que Riot ont officialisé il y a deux semaines, je crois, deux, trois semaines, ou plus, je sais pas. J'ai perdu la notion du temps. D'autant plus que Riot ont officialisé le fait que Arcane est désormais canon dans le lore de LoL. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez Arcane, vous regardez littéralement l'histoire de LoL. Voilà. Donc oui, il faut absolument regarder Arcane, parce qu'au-delà de ça, l'animation est incroyable, les musiques sont incroyables, enfin voilà, c'est une série incroyable pour diversifier mes arguments. Alors, on a trouvé un deuxième chant, du coup, un chant qui nous dit un truc, pourquoi est-ce que ça commence pas depuis le haut? Je suis deg. Ils sont insatiables dans un jardin de glace. Putain, mais pourquoi je peux pas le voir depuis le haut? Oh non, je suis deg. Ah si, ça y est, c'est bon. Ah non, mais c'est plus bon. Un champ ne peut être écrasé. Une soif insatiable dans un jardin de glace, avide de vie mais gelée sur place. Pour tout pareil, elle, griffe ou pied, bouger c'est vivre, et vivre c'est bouger. Les notailles le savent et restent en mouvement. Une histoire ne peut être tuée. Un champ ne peut être écrasé. Le champ semble dire qu'ils sont vivants, presque. Ah, drôle de champ, dis donc. Mais magnifique. Magnificos. Dinguerie, quoi. Il s'assoit, il est bien. YOLO! Je suis mort. Mais j'en ai marre, hein, de mourir comme ça bêtement à chaque fois. C'est très cool parce qu'il n'y a pas de game over, quoi. Je sais pas ce que ça fait de mourir en combat, définitivement. J'ai déjà eu Willem KO tout à l'heure, j'ai pu le relever. On est d'accord que les décors sont très jolis, hein. Non, les décors sont vraiment, vraiment très beaux pour le coup. Y'a pas un chien. Y'a pas un chien! Le écho de convergence ne colle pas à Arcane. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas fait le jeu, mais. On sait pas, ouais, apparemment. En fait, C'est le souci d'avoir plusieurs équipes de scénaristes. C'est très, très dur de que tout le monde se concorde sur toutes les versions. Un truc. Quand on a aperçu la montagne, j'ai bien vu que tu voulais plus y aller. Pourquoi? Je sais que tu me caches quelque chose. Mais ça va. Tu es mon copain. Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il cache Willump là. Je suppose que toute sa famille s'est faite désinguer. Soit par Lysandra. On doit réparer la note pour ouvrir cette porte. On doit réparer la note carrément? Ah, mais ça fait chier ça. Comment on répare la note? Ah. Ok, là-bas il y a un cristal. Enfin, j'allais dire un cristal, c'est pas vraiment un cristal, mais. J'arrête de sauter maintenant. À chaque fois que je saute, on me considère comme mort, ça m'énerve. Attirer des crocs afin qu'ils chargent sur les murs. Je me fais attaquer par un croc! Wouh! Ok. C'est fragilisé. Ah. Ah, ok, faut que je tape? Je comprends pas. Ah oui, ok. Ok, facile. Vas-y, charge, charge, frérot, charge. Ok. Hop. Quand même, hein. Ok, les crocs de combat, je les connaissais pas ceux-là. Ils ressemblent à leurs cousins à forme de crabe, mais ils sont beaucoup plus gros et animés par la magie naturellement. Extrêmement territoriaux, ils habitent des zones rocheuses où la magie abonde. Pour les battre, il faut les briser en rochers plus petits, mais ils finissent par se reconstituer. Sérieux? Donc là, il va se reconstituer, là, le bug?
Je me casse en fait. Oh, oh, un autre croc. Mais ça c'est un croc gentil, voyez-vous. Spellsongur, à toi. Spellsongur, c'est sa flûte pour ceux qui sont pas au courant. Voilà, viens mon gros. J'ai besoin de toi. Allez le Krug. Ah oui quand même. Allez viens, viens ici là. Excellent. Et dodo. Ok, normalement je peux lui sauter sur la tête. Ouais, parfait. Ok, merci frérot. Alors je peux pas le péter, il faut que je sorte là. Ah oui, en effet, à quoi ça sert? Marrant ça. Non, je peux pas l'aspirer, je peux rien y faire. Attends, je sors la flûte. Ok, je sais pas. Voilà un autre. Ça. Ok. Ah, il faut que j'aille lui le mettre dans le dos. Vas-y, je vais faire ça. Ah ok, et maintenant je dois faire ça. Alors. Ok. Maintenant le Krug a... Ouais d'accord. Ah putain j'ai compris. Ah oui, oh là là, oh le bordel. Oh le delbor. Ok, il faut que je le ramène ici je pense. Allez, ça recommence. Non, je me déteste. Ok, viens ici. J'ai besoin de Watt. Parce qu'en fait, je rappelle que Willop ne peut pas sauter quand il a de la glace entre les mains. Le pauvre. Ok, je pense que je peux le lâcher ici, non? Je peux te lâcher ici, tu penses? Ah, je pense pas, parce que Willump ne peut pas sauter. En fait, il faudrait que j'amène le Krug ici, plutôt. Ouais, ici, plutôt. Désolé. Ok. Mais! Ok. Viens ici. Hop, hop, hop! Hop, 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 c'est bon, là. Normalement. Je dis pas de bêtises. Et je dis une bêtise. Si ça se trouve, je fais pas du tout ce qu'il faut. Hein. Ah! Et rapproche-toi un peu plus. Tu peux pas plus? Ah, mais du coup, je suis perdu, moi. C'est de la couille ce que je fais. Parce que je sais qu'il faut que j'amène cette magie. Enfin, cette glace pure par là-bas. Mais je peux pas le faire si tu m'aides pas, Kroggy. Viens plus par là. Collé au truc là. Allez, allez. Oui, t'es mignon. Hop. Ah, je pense que là, ça va pas aller, mec. Rapproche-toi, mec. Voilà, plutôt comme ça. Ouais, 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 on est bien, on est bien. Stop. Et voilà. Ok. Je me déteste. Et c'est parti pour le show. Impeccable. Et bien voilà, mesdames et messieurs, facile. Je l'ai cassé. Voilà, pardon. J'ai pas fait la bonne... Attendez, mais c'est quoi cette note? Ah, c'était ça. Oh, je suis con. Ok, d'accord. Je pense que déplacer ce Krug avec Spellsongur est pas très Brome. Je pense que Brome s'en bat les couilles. Non, en vrai, Brome, il serait impressionné parce qu'il est mignon. Il est gentil avec tout le monde. Hop. Tu sais, j'ai réfléchi.
si la glace obscure t'enrage, est-ce que la pure te calme ? Un certain distant. Je croyais que tu savais tout sur Freljord, Willump. C'est un sujet à éviter ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, c'est intéressant. Ces trucs volants qu'on a vus. Là où on a trouvé la baie de Jurl. Leur couleur ressemblait à celle des loups. La même couleur que la glace obscure. Des poros. Ils nous auraient pas attaqués s'ils étaient faits de glace pure. Bizarre. Moi, je sens que Willump cache un truc sale avec la glace obscure, vraiment. Hein. Top, 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 top. Ah ok, je peux tourner ça. Ah oui, d'accord, ok. Oh cool. Hop là. Les phases de plateforme sont vraiment bien pour le coup, j'ai rien à dire. C'est du basic shit, mais j'ai pas besoin de plus, perso. On remercie bien sûr Assassin's Creed et Uncharted d'avoir créé cette mode. Alors, tac. Je suis con ou... Ouais, je suis con, ouais. Je pensais qu'elles allaient se faire péter les unes les autres, mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, c'est joli, hein. Oui, on approche vraiment. Je vous rappelle que tout ce qu'on fait là, c'est juste pour avoir un chaudron, pour manger un ragoût avec brome, hein. Vraiment. Y a pas d'autre intérêt. Alors, ça doit être le Kellurel, pas vrai? C'est beau. Alors. Toutes ces notes. C'est un très long chant. Bon, ça va, je vais gérer ça. Hey. Je le fais en one shot ou je le fais pas en one shot? Let's go. Ok, je recommence. Il est passé devant, ça compte plus. Fatigué? Moi. Oh. C'est triste. Il peut pas se lever. Attends, tu veux me dire que c'est une créature ça? Oh, mais ça va être une créature de fou. Donc, le Kellurel est coincé à cause de ses branches, c'est ça? Il a même des bois cassés, le pauvre. Voyons si on peut l'aider. Ouais, on va aider le Kellurel à se relever. Putain, ça doit être une créature incroyable. Je me demande si elle est dans Legends of Runeterra, cette créature. Regarde ces fragments de glace magique. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en servir pour réparer les branches? Tu veux pas me prendre sur ton dos, là? Ce serait utile, non? En vrai de vrai. En vrai. Je sais même pas à quelle heure je finis le stream, moi, d'ailleurs. Ouais, une bonne question. De glace magique. Oui, bah c'est bon. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en servir pour réparer les branches? Wait. Mais oh, la prochaine fois que je lis le chat, je le fais en restant immobile, hein, je vous le dis. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en servir pour réparer les branches? Ouais. Il est 21h et ça c'est cool. Mais je vous avoue que je comptais finir un peu plus tôt pour jouer à Baldur's Gate, mais finalement je suis bien sur Song of Nunu. Je peux pas aller là. Comment ça? Willump peut sûrement les geler. Bah vas-y. Frangin, j'ai besoin de toi. Je cherche un moyen d'aider. Vas-y frérot. Ah ok, bon, je dois bouger. Super. Où es-tu, Will? Ah oui, putain. Ah, ok, faut que je sois un peu plus proche. Allez, Willump! Let's go! C'est parfait, mec. Merci, mec. J'en ai marre! Pardon. Regarde, c'est je recommence ici!
Est-ce que tu penses qu'on peut s'en servir pour réparer les branches? Ça va stream off, hein? Ok, hop. C'est l'heure de jouer. Excellent. Bonsoir à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, bien sûr. Hop, hop, hop. Ça gère la fougère. Ok, excellent. Coucou. On peut pas les atteindre d'ici. Oh, j'ai tellement cru que j'étais mort. Mon dieu. Ah, oh, je suis con. La glace magique. Bon, on la met où? La glace magique. Ok, on va la mettre ici. Je sors ma grosse flûte. Bien joué, Willump. Et maintenant, qu'est-ce qu'on branle? Ah oui, maintenant il faut faire le tour et retourner là où on était. Oh là là. On peut pas sauter ici comme raccourci, vraiment. Allez, oh, ici. On peut ici. Oui, on peut ici. Yes, merci. Et normalement, je peux repartir par là-bas. Ah, quand même. Ah oui, merde. Alors, ici, il faut que je joue. Bien joué, Willump. Et maintenant, je dois refaire tout le tour. Vous êtes sérieux? Je vous déteste. Je pars par là-bas. Je vais lui ouvrir le pont. Hein. On va lui ouvrir le pont. Viens, mon gros. Excellent. Ah, et là, normalement, ça va le réparer, si je dis pas de bêtises. Merde! Mais! Oui! C'était sûr! Bah voilà! Bon, encore un autre! Ah oui, merde, encore un autre, putain! J'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, ici, c'est cassé. Il faut qu'on trouve un autre fragment de cette glace magique, hein? Oh, il y en a une là-bas, sans doute, hein. Y a pas un secret? Et en avant! Une fresque. Regarde! Des fragments de glace magique, c'est ce qu'il nous fallait. Excellent, excellent. Ok. Alors, laissez-moi observer. Bon, déjà, c'est là-bas qu'il faut la prendre, la glace. Je vais monter par là, hein. C'est pour Svelsongur. Svelsongur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé des poros ou des fresques. Oui, oui, je vois, je vois. Merde. Ah, mais merde. Il peut pas le prendre, du coup. Ah, merde. Oh, ça, c'est con. Ok, pardon. Eh ouais, non, tu peux pas, bah non. Fais-moi sauter, là. Hop là. Bluro. Ok. Comment ça? Pardon, hein. Je me dépêche, ça va bien se passer. Salut Tali, ça va? Comment il va, le chat? Il cherche la bouffe, il n'y a pas de bouffe. Ok. Excellent. Mais... Pardon, j'ai fait exprès. C'est marrant. Moi, je trouve ça drôle.
Et pourquoi il dit alerte l'autre? Ah, ok, c'est bon. Non! Fallait que j'y aille beaucoup plus vite en fait. Maintenant! Mais c'est pas possible, la vie est une... Ok. Allez. Ok. Bon. Si je te donne pas la glace, ça sert à rien. Facile la vie. Je reviens. De quoi tu parles? J'ai fait tout ça pour rien. Mais je fais exprès. Hein. Putain, mais oui, il faut qu'il ait la glace. Oh, je me déteste. Pardon. Je perds du temps pour rien. Mais putain, mais pourquoi je peux pas baisser ce truc là? Mais oui, je comprends, frérot. Moi aussi, j'aimerais bien. Et je vois pas de notes. Je sors ce fait. Il y a une note. Merde. Oh putain, vas-y, saute dessus. C'est maintenant. Maintenant ou Jamel. Les sauts sont précis par moment, hein. C'est pour ça que je me casse la gueule. Le jeu est beau, le jeu est très beau. J'aime beaucoup. Allez frérot. Ramasse-moi cette grosse glaçouille. Parfait mec, je te descends. J'ai failli mourir. Voilà, en avant mec. Maintenant je fais le tour et j'arrive. Ah oui non putain, faut d'abord poser la glace. Voilà. Maintenant tu me fais monter. Je vais refaire le saut qui m'a hanté. En l'air. Et allez. Maintenant on évite de remourir 15 fois de suite. Ok. Ok, parfait, il a ça. Te rate pas, te rate pas, mec. Ah. Ok, c'est bon. J'ai pris le coup, j'ai pris le coup. Ok, maintenant je saute ici et je ramène Willump. Et voilà. Excellent, mec. J'espère que la créature est stylée. Racines sont réparées. La chanson, Willem. Ouais, maintenant la chanson Willem. Dégage. Ok. Petite boule de neige dans sa gueule. Allez. Voilà. Ah, une deuxième. Oh, ça marche pas quand il est assis. Ça marche pas quand il est assis. Là oui. Il est pas content. Alors. Merde. Bah alors, c'était la bonne. Oui. Attention, la découverte de la grande créature. Ouais, elle est stylée. Elle a un peu la gueule de travers, mais elle est stylée. Wouah ! Une larme, carrément ! Oh la dingue. C'est donc ça, un Kelurel ! Wouah ! Ah oui, non, elle est stylée de fou !
L'arme de Kellurel, l'un des deux grands trésors que Nunu et Willem devaient trouver pour pénétrer dans la montagne ailée. Le puissant Kellurel du jardin de glace déposa une unique larme gelée entre les mains de Nunu. La créature s'éclipsa alors à l'horizon vers des lieux inconnus. Peut-être Demacia. Je sais pas pourquoi. L'arme, tu penses que c'est de ça que tu parles, Orne ? Il faut qu'on retourne la chercher, non ? Mais du coup, c'est bon, on a ce qu'il faut ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Il me voulait moi. Ok, maintenant. Maintenant qu'on a l'alarme de Kellurel, normalement on peut retourner voir Orne, forger le chaudron et manger un ragoût avec notre ami Brome. Est-ce que tu sais ce que c'est comme Merde ! Alors, la glace pure peut donc donner vie ? Waouh ! Je savais pas ! Si la glace pure donne la vie, tu penses que la glace obscure peut la perturber ? Ce serait logique, non ? Cette glace... Coron. C'est ça le mot ? Au nord, c'était les corons. Pourquoi t'es si grincheux tout à coup ? Hein ? Je demande, c'est tout. Eh mais dès qu'on parle de la glace obscure, Willem, il pète des câbles, hein ! Stylé, ça aussi. Je cherche des secrets, hein, vous m'excusez. Oui, à Demacia, ils aiment pas trop tout ce qui est magique. Pas fan, quoi. Ok. Plus vite ! Non, pas plus vite ! Pas plus vite ! Je veux trouver des secrets ! Elle est belle, la montagne qui a été créée par Anivia il y a... 3 mois. Là, il y a forcément des secrets par là, quand même, putain. On a trouvé la belle jurle et la larme glacée. Maintenant, le chaudron. Ce qui nous rapproche un peu plus du cœur bleu. Et de maman, j'espère. J'espère que tu vas retrouver ta mère à la fin du jeu. Qu'elle va pas mourir. Bon. Tu sais, c'est plein de glace obscure ici. Et de glace pure. Tu crois que tout ça a un lien avec le cœur bleu? Ou même avec le néant? Je réfléchis pas trop. Tu verras. Ouais, on verra, ouais. Bon, allons faire notre chaudron. Faut qu'on retourne à la pelle de Orne. Je suis dégoûté, je trouve pas de fresques, je trouve rien. Je suis sûr que par ici, en plus, il doit y avoir des poros, des trucs. Oh, des poros. Moi, c'est les poros collectibles que je cherche. Oh, ici, il y a un truc. Là, il y a un truc, Plus vite que le vent. C'est un poro. Non, je veux descendre. Peut-être un poro ou alors c'est une fresque. Non, c'est un poro, je l'entends pleurer. Il est où le petit poro? Ah, il est là. Par contre, comment est-ce que je l'atteins, le poro? Faire le tour. Ne pleure pas, j'arrive. J'ai failli mourir. Ok. Je vois une note. Je vois une note. Non, si c'est celle-là. Oh, de l'eau. Excellent. Petit poro. Oh, t'es vraiment trop mignon. J'en veux un, hein. Ok, on a trouvé grotte pleine, lac pleine, forteresse pleine. Oh, je suis sûr qu'on va en rater avant la fin du jeu, je suis dégoûté. C'est pas grave, on va faire notre possible pour avoir le maximum de poros. Hein. Maximum de poros, maximum de fresques. Il dort l'autre. Je peux lui sauter sur le ventre quand il fait ça? Ah non. On y va! Hep, 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 hep. C'était sûr que dans un endroit aussi grand, il y avait 2-3 collectibles à choper. Plus vite que les druvasques. Par exemple, les vaches là, elles ont rien à dire, les vaches? Non, vous avez rien à dire. Ça parle pas, les vaches. À part fly. 100% sur ce jeu. J'aimerais bien, mais ça nous obligerait à revenir sur certains endroits et tout, et j'ai pas envie de faire chier le monde. En vrai, j'aimerais trop tout trouver, ce serait ouf. Par exemple, là, au lieu d'aller à l'appel directement, je pourrais chercher un petit peu s'il n'y a pas des fresques ou des trucs pour le lore. Mais vu que c'est le lore de LoL, ça m'intéresse trop, moi.
Bon, là, il n'y a rien, mais... Mais sait-on jamais. Attendez, je vais retourner à l'appel, mais juste après. Je vais juste voir vite fait. Ah, mais non, mais j'ai été là tout à l'heure, il n'y avait rien. Je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que... Bon, on va retourner à l'appel, hein. Ouch, bagarre. Mais non, mais je dis ça parce que son personnage, c'est une vache. Je l'insulte pas de vache. Enfin, Tonelor, je suis pas méchant. Ce serait gratuit et méchant. C'est le stream de qui le tien, alors fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Non, mais... Non, mais ouais, non. On verra. En vrai, je pense que je sous-estime la durée du jeu, parce que là, on est qu'à 3 heures, il est censé faire plus de 10 heures. On est de retour. Et on a tout ce que tu nous as demandé. Let's go. La baie de Jurle. Bien sûr. Voilà. Oh, je n'en avais plus vu depuis... Choc barre de baiser. Tu l'as mangé? Bien sûr. On ne doit pas travailler l'estomac vide. Ça pour et ça? Et pour le Kellurel. Oh, il nous a donné ça. Une larme. Le Kellurel a pleuré pour vous. Oui, je comprends. Il le sentirait aussi. Sentirait quoi? Tragédie et puissance. Toi et ton ami Yeti portez vraiment un lourd fardeau. Que le cœur d'Anivia vous guide. Il nous a fait aller chercher une putain de baie juste pour la bouffer. Les items de LOL. Ça, c'est un beau chaudron. Il est beau en plus, mais il est vraiment beau. Voilà, garçon. Certain avec sagesse. Garçon. C'est magnifique. J'ai hâte de le montrer à Brom. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chaudron. On y fait cuire des choses. Mais il est magique. Ah, vous les jeunes et votre passion sans fin pour la magie. Parfois, la beauté et l'art de l'artisan sont la récompense. Va maintenant. Ta présence indique qu'il y a peu de temps. Il y a beaucoup à faire. Merci, Horn. Pour tout. Ce fut un honneur. Oui. Ouh, ah, chaud devant. Souviens-toi, garçon. Quand les ténèbres sont partout et que tout semble perdu, il suffit parfois d'une étincelle pour allumer le plus vivant des foyers. Ah. Vous êtes resté trop longtemps. Partez. Laissez-moi. Je sais. On doit retourner voir Brom. Bon alors finalement j'adore ce qu'ils ont fait de Horn. Après bon Horn oui disons qu'en termes de caractère t'as pas à faire grand chose de plus qu'un. Et nous revoilà. Un vieux bougon quoi. Quête terminée. Quête terminée, let's go. Il faut qu'on retourne voir Brom. Mais il est où Brom? Il est où ce giga Chad là? Elle devrait sortir quand la VOD? Je vais tout faire pour qu'elle sorte le plus vite possible. Je pense que je vais pas la mettre sur la chaîne principale, je vais la mettre sur la chaîne VOD. Hein. Allez, boum! Alors? Oh, y'a un croc! Oh! Ok, je m'occuperai du croc après. D'abord les loups. Qu'est-ce qu'il veut? Maintenant. Ok, c'est maintenant. C'est littéralement du meurtre. Hein. L'appel? Oh non! Tu viens de faire un succès, gagner un combat contre plusieurs ennemis sans vous faire toucher. Je suis vraiment un PGM de fou quoi. J'arrive pas à dépasser le gold sur LOL quoi. Avec tout ça, on a oublié. C'est parce quoi si tu fais pas le fatality? Orient. Rien, ouais. Je le fais pour le plaisir. Oui, l'un des grands mystères de la vie.
Mais c'était bien une pelle. Je pense que c'était une pelle, hein. La pelle d'Orne, hein. Bon, il est où, Brome, ce gigachat trop beau? Oui! Next move. Where do we go? Ah, putain. D'accord, il faut encore que je réveille le truc. Where do we go? Tac, 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 tac. Viens, mon gros. Waouh. Vous voyez, Riot, c'est comme ça qu'on fait des jeux qui énervent pas. En empêchant les gens de jouer à plusieurs. Ah, je pense que là, c'est bon, ça passe. Merci, Kruggy. Ah, super. Willem, tu te demandes parfois si t'es vraiment le dernier Yeti. S'il y en a d'autres. Je comprends ce que tu ressens. C'est pareil pour moi avec maman. Peut-être qu'après avoir trouvé le cœur bleu, on pourrait aller voir des notailles. Oh, Brome! Lui, pendant ce temps, il est allé casser la gueule de toutes les créatures de Freljord. Salut, Brome! Salut! On a vécu une aventure incroyable! Ça nous aidera à franchir le blizzard. C'est sympa! Vous avez trouvé un trésor incroyable! Oui, exactement. Il a rien compris. 100% Brome n'a rien compris. Ah, Brome n'a jamais rien entendu d'aussi incroyable. Ça ferait une belle chanson. Merci. Oh, à propos de chansons... Frangin, j'ai modifié notre chanson. Je te la joue ? Svelsungur, me laisse pas tomber. Alors là, je le fais du premier coup, je suis une grosse merde. On l'a échappé belle. Faut changer de danse, frérot. On a compris que c'était la danse de LOL, mais bon. J'adore Brome. Vraiment. Je sais pas pourquoi je le traite Brome, pas, ce champion. Ce ragoût était délicieux. Mes compliments au chef. Pas besoin de compliments. Brome le fait avec plaisir. Et... on fait quoi maintenant? On va essayer de traverser le blizzard? Non. Maintenant, dodo. Le blizzard, c'est une menace qu'on affronte au matin. Tu sais, Brome, on a trouvé un truc effrayant chez elle. Ne dis pas ça! Tu sais que le néant est vraiment effrayant. Le néant? Minute, mon petit gars. Dis, qu'est-ce que t'as vu exactement? Bon, on a trouvé une sculpture de ces espèces de monstres géants et des statues des trois sœurs. Cérilda, Avarosa et Lysandra. Mais Willump ne veut pas parler de ces choses-là. Tu vois? Dis, est-ce que tu sais quelque chose, Brome? Une histoire? Ouais, évidemment que je connais la guerre des trois sœurs. Il y a 9000 ans... Un flashback, pitié, un flashback. Yeti était avec les trois sœurs. Contre le néant. Ils ont gagné. Grâce à Lysandra, je crois. Et à une arme secrète. Mais les Yetis l'ont payé cher. Quel prix? Je n'en sais pas plus. Mais peut-être que Willem peut nous aider. Il veut pas, hein. Willem. Il veut pas en parler. Pour géant, dit vrai. Pour géant. Va donc dormir, petit héros. Tu en as bien besoin. D'accord. Mais demain... nous deviendrons des légendes, Nunu. Ensemble. Mais j'aime trop Brome! Il est torse nu à Freljord, mais il s'en fout, c'est un sublimé. Il ressent pas le froid. Nouvelle enterre du... oh, le nez... oh, la gueule! L'antithèse de la vie. Un royaume sombre, froid et vide, dans lequel il y a Kogmo.
ce qui du coup est tout de suite moins effrayant, hanté par de terribles créatures, les Veilleurs. Pour l'heure, le néant est assoupi, emprisonné derrière un mur de glace pur dans les profondeurs de la citadelle des gardiens du givre. Mais les fissures s'agrandissent peu à peu, et bientôt, Shogat va venir bouffer les culs de tout le monde. Oh, Kelurel ! Oh putain, mais il y a plein de trucs que j'ai pas lus. Oh. Les trois sœurs déjà. Mais voilà, mais jure que c'est Sejuani, Ashe et Lissandra. Non mais je suis con ou quoi ? Avarossa, Serilda et Lissandra. Trois guerrières mythiques qui, il y a un millénaire, ont combattu contre les ténèbres du néant. Ah non, ou alors Ashe a peut-être récupéré l'arc de Serilda. Je sais plus, je m'en fous. Non, je m'en fous pas d'ailleurs. Les trois sœurs ont combattu contre les ténèbres du néant. Seule Lissandra a survécu. Ah bah comme ça, ça répond à la question. Après avoir fait un terrible sacrifice pour emprisonner le néant derrière un mur de glace pure. Donc non, en fait... Alors, j'ai dit une connerie. Sejuani et Ashe ne sont pas les sœurs de Lissandra. En revanche, vous pouvez remarquer que... elles ont récupéré les armes de Serilda et d'Avarossa. Alors, je me souviens plus des détails, vraiment. Je sais plus. Mais elles ont un lien direct avec les deux sœurs de Lissandra. Voilà. C'est clair. Le Kelurel est un être magique qui règne en silence sur le jardin de glace. Nunu et Willump ont participé à donner vie à ce puissant animal, désormais libre d'arpenter la terre. On a tout lu ? Oh, ça me fait de la peine, je vois qu'on a de moins en moins de choses à déverrouiller. Putain. Par contre, les fresques, on n'en trouve pas. On en a trouvé deux, hein, pour l'instant. Un peu triste, hein. Pareil pour les poros, on en a que trois. Pour l'instant, les chansons, on est bien. On est encore loin, maman ? On va dans la bonne direction ? Je te le dirais si tu allais dans la mauvaise direction, Nounou. Mais on approche ? Quand est-ce qu'on y sera ? Qu'est-ce que je dois savoir d'autre ? Tu dois être patient, Nounou. Tu trouveras tout dans le cœur bleu. Crois en toi, Nounou. Aie confiance. Mais j'en saurai jamais autant que toi. Qu'est-ce que le cœur bleu, mon enfant ? C'est une Lissandra. Bougie, hein, maman ? Une bougie ? Qu'entends-tu par une bougie ? C'est cette connasse de Lissandra qui vient dans le rêve de Nounou pour lui soutirer des informations. Elle est trop forte. Lissandra est trop forte. Mon chat a chié, ça pue la mort. Voilà. Je pensais que vous voudriez le savoir. Une bougie pour la nuit ? Mais c'est ce que tu m'avais dit ? Je t'ai mal comprise ? Et oui, j'ai lu ton message, Fly, je suis totalement d'accord. J'ai pas répondu direct, mais oui, de fou. Bro, mais incroyable. Non, mon enfant, tu ne t'es pas trompé. Je voulais te tester. Que peux-tu me dire de plus à ce sujet ? Tu as dit que c'était un feu dans les ténèbres. Et aussi que c'était une arme. Quelle sorte d'arme ? Maniée par qui ? Tu vas bien, maman ? Je vais bien, Nounou. Pourquoi ? Il y a un problème ? Non, tout va bien, je pense. Alors, je dois faire quoi ? Continue comme ça, mon enfant. Persévère. C'est tout ? Oui. Aie confiance en Willump. Aie confiance en toi. Tu y arriveras, Nounou. C'est promis. Ok, c'est reparti. Lissandra, elle est gentille ou non ? La caravane. En fait, c'est compliqué, parce que Lissandra, là, elle est en guerre. Bah, déjà, elle manie la glace obscure, donc c'est pas super fun, quoi. Maman, t'es là ? Et je suis pas encore assez pro du lore. Je sais que Lissandra... Moi, Lissandra, je l'ai toujours vue comme... J'ai toujours vu comme une méchante, en fait. Mais sachant qu'elle combat le néant... C'est peut-être deux méchants qui s'affrontent aussi, hein. Maman, pars pas, je t'en prie. Donc voilà quoi. Cette fois, je vais te sauver, maman. Je te le promets. Ouais, je pense que Lissandra, elle... elle fait tout pour elle-même et pas pour les autres, quoi. Elle utilise le mal pour faire le bien, peut-être, ouais, c'est sûrement ça. Je dois la rejoindre. Un peu plus vite. Le combat Kogmo contre Nunu. Vite, Nounou. J'y suis presque, maman. Attends-moi. En fait, le truc, c'est que elle manie la glace obscure. Et la glace obscure, c'est de la glace pure qui a été corrompue par le néant. Donc bon. Attention, cinématique.
Le Yeti et son garçon sont si proches. Si proches du sombre secret de Freljord. J'aimerais bien qu'il enlève son casque. Le Yeti sait-il réellement où il va? Et pourquoi y aller? Il ne pourra trouver que souffrance. La souffrance que je porte. Celle d'avoir perdu sa plus proche famille. Ou est-ce pour une autre raison? A-t-il caché quelque chose là-bas? Une chose qui m'est invisible, même en manipulant les rêves du garçon. Une arme ultime connue sous le nom du cœur bleu. Ce héros stupide, le cœur de Freljord est avec eux. Ah, c'est Brome. Je m'en occuperai. Ensuite, le Yeti me révélera ses secrets. Lissandra, elle veut taper Brome. Bon courage. Bon courage. Bon courage pour se taper Brome. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est bizarre, ça. Hein. Tu es là où se trouvait... le blizzard, petit. Ça a marché? Ça a marché! Là, regardez! La montagne, elle est... on y est! Brome! Ton ragoût digne des héros a marché! Le protecteur de tout Freljord a encore frappé! Merci, Brome! Allez, les gars! Ses yeux... ce garçon est... curieux. En plus, ça me tue parce que Brome, tu sens que même Riot l'adore, dans le sens où bah, il fait partie du roster de Rune King, du coup. Il est aussi dans Rune King, Brome, et il est super intéressant et super marrant. Lissandra, elle a un casque VR, oui, c'est ça, un caïque, oui, bien sûr. Ah, Brome va rester derrière, je pense. Brome va te donner ta première leçon de héros. Hein? Là? Oui, maintenant. Laissez donc Brome vous donner le meilleur conseil de héros. Et ben quoi? Fuyez! Maintenant! Ça se tient, hein? Eh, Brome, fais pas le con, hein! Oh non! Lissandra! Non! Comment ça, elle a one-shot Brome? Sous ma gueule! Le héros de Freljord est tombé. Littéralement. Maintenant, Yeti. C'est à ton tour. Tu porteras le cœur bleu pour moi. Quoi qu'il en coûte. Merci Jocindar pour l'explication sur Lissandra. Alors, pour ceux qui regardent la VOD et qui peuvent pas avoir accès au chat, en gros, Lissandra veut combattre le néant. Oula, j'ai un accent bizarre moi. Lissandra veut combattre le néant. Elle a perdu ses sœurs en le faisant. Elle a été corrompue et utilise les pouvoirs de glace noire pour éviter que d'autres subissent le même sort. Mais elle est corrompue, donc elle tourne vers des délires égoïstes où elle s'enferme et accumule du pouvoir. Toujours pour lutter contre les néants, mais plus seulement. Plutôt, parce que... une connasse. Et en plus, elle a fait tomber Brome. Pas vrai, Willem? Et Brome, il va survivre, mais... mal à l'aise. Putain, elle a fait tomber Brome. Par contre, on a un peu eu ce que j'appelle une cinématique à la Blizzard, c'est-à-dire que on en a pas eu assez, quoi. Ça s'est résolu trop vite. J'aurais bien aimé que Brome se batte un peu plus. Tu sais, je crois que tu as raison. C'est le cœur de Freljord. Bah alors celle-ci, Brome, je la casse pas. Peut battre une armée avec une main attachée dans le dos. Bon, si, quand même. Alors, c'est pas une mini tempête et des louveteaux de glace qui vont l'avoir. J'ai quand même pété le truc au cas où ça fait un succès. Non, mais Brome va pas mourir, mais Brome il a pris cher quoi. Hop!
C'est mon analyse, j'ai pas la vraie version. Oui, t'inquiète, c'est... Il précise bien sûr que ce n'est qu'une analyse. Et retenez bien que Lissandra est une connasse dans tous les cas. Moi, je l'ai toujours vue comme ça, donc... Si elle fait la bagarre contre Ash et ses genies, c'est que... Oh! Mais c'est stylé! Urcidé, le cadavre gelé d'une bête puissante. Oh! On va voir Volibear. On va voir Volibear. Je suis désolé, je vous spoil tout. Mais c'est logique, après. Le cadavre gelé d'une bête puissante. Les Urcidés sont des guerriers qui ont renoncé à leur humanité pour le pouvoir de se transformer en monstres semblables aux ours. Ok. Donc ce sont des humains qui ont été transformés en ours humanoïdes, enfin, en fur, ok? Pour gagner plus de puissance, quoi. Volibear, un des demi-dieux de Freljord, est leur maître. Ils menèrent naguère une guerre féroce aux disciples d'Orn, le frère de Volibear. Nunu a beau savoir à quel point les Urcidés sont cruels et sauvages, il ne peut s'en empêcher, il les trouve géniaux. Mais moi aussi, je les trouve trop cool, en vrai, les Urcidés. En plus, celui-là, il était grand. On dirait des armées gelées en plein milieu d'une bataille. Il était stylé, celui-là, hein. Ces flèches, est-ce que... ça fait mal à l'Urcidé? En soi, quand tu te les prends, oui. C'est trop cruel. Oui, je sais bien que les Urcidés n'étaient pas gentils, mais quand même, je préfère l'Urcidé. Ok, c'est l'endroit idéal. Je suis le puissant Urcidé, tu es le guerrier. Boule de neige. Encore? Je mène 2 à 0. Jamais 203. Team Volley ou Team Horn? C'est la rencontre du siècle! Le grand Nunu des Nozaï contre Willem, le Yeti poilu! C'est marrant. Ah, dans ta gueule! Combien de bras tu utilises? Mais ouais, tricheur, menteur. C'est un gros tricheur, il utilise ses 4 bras. Ah! Oh le bâtard! Bâtard! Vas-y, mange, bâtard! Ah, j'étais caché. Tiens, dans ta gueule! Ah, mais en fait, je peux jouer comme ça. Comme un gros tricheur, moi aussi. Hop. Et ouais, ma gueule! Il tank, hein? C'est qu'il tank, hein? Mange! Ah! Merci au caillou, hein. Enfin, au caillou. Hop, hop, hop! Aïe. Trou du cul. J'ai gagné. Ça m'a fait un succès, en plus. Très content. J'ai gagné la bataille. Wouhou! Le champion de la boule de neige. Nunu! Pas d'accord. Comment ça, je compte mal? J'ai plus de doigts que toi. Techniquement, c'est génial de voir les guerriers de près. Et... triste. Maintenant, 3, 6, 9... Ah oui, il a plus de doigts malgré tout. D'après toi, pourquoi ils se battaient, ces soldats et l'Urcidé? Mais non... Les Nothaï combattent avec des chansons. C'est mieux comme ça. Parce qu'on ne peut pas tuer les chansons. Maman en parlait dans un chant. Si fort que tu sois, si mauvais ou si droit, une histoire ne peut être tuée, un chant ne peut être écrasé. Une fresque! Enfin, putain! Oh! C'est qui cette fois? Willem? Je crois que c'est mon préféré. Oh! Un Volibear paisible qui hume une fleur, assis sur une pile de soldats gémissants. Il a dû battre toute cette armée seule. Ah ouais? Me dites pas que j'ai raté tout ça. Me dites pas que j'en ai raté 2 quand même. Volibear humant une fleur après un combat. Cet enfant était marrant. C'était forcément un enfant, non? La tête pleine de trucs géniaux, comme moi. Willem, tu penses que ces fresques ont été peintes par le même artiste? Moi, j'ai envie de croire que oui. Moi aussi. Ok.
pense qu'on a, on a raté des fresques, hein, mais bon, tant pis. Hein. On peut pas être bon dans tout, hein. Est-ce qu'il faut que je grimpe ici? Non, Nalf, t'es con. Attendez, mais il y a tout ça qui est planté dans le truc. Mais je me demande si c'est pas le... Je me demande si c'est pas Volibear, mais non, ça peut pas être Volibear, mais... My name is Volibear. My name is Volibear. C'est juste que un guerrier ursidé de cette taille, à part Volibear, je vois pas qui ça peut être, mais bon. Il s'éclate, lui, hein. Oh putain, j'avais pas vu. Les guerriers ont... Ah oui, mais je viens de les remarquer, en fait. Ah oui, c'est fou, ça. Je me demande si c'est pas des guerriers de Lysandra d'ailleurs. Non, je crois pas. Je m'en fous, ça me regarde pas moi. Ça ne me concerne pas, hein. Attendez, je viens de là, non? Bien sûr, je viens de là, je suis con. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse, que je sache un peu ce qu'on fout ici parce que, mine de rien. Tu peux pas grimper ici, toi? Hein, normalement? Bah ouais, tu regardes. Allons-y, non? Ah mais oui, putain. Salut, Terox. Le jeu est incroyable, oui, vraiment. Regarde ces griffes. Elles doivent couper en deux les serpents de glace. Ah, c'est bizarre, hein. Je vois pas pourquoi un guerrier ursidé serait aussi grand. Après, je pense que Volibear est encore plus grand que ça, normalement. Et pourquoi... Ouais, je sais pas. Ok, let's gong! Quel genre de magie peut geler toute une armée? Ah oui, mais c'est des grands guerriers en fait, les ursidaires. Oh non, c'est une dinguerie. Figés au bord de l'affrontement, deux armées antiques s'observent dans les profondeurs de la montagne ailée, prises au piège dans la glace. On peut entrevoir les formes des puissants guerriers et des bêtes sauvages dans cette tombe de glace. Souvenir d'une bataille qui n'eut jamais lieu. Je me demande qui les a glacés comme ça. La sorcière de glace, peut-être? Ah. Mais... ils ont l'air congelés depuis longtemps. Il me répond, hein, c'est ça qui est cool. C'est vrai qu'ils ont l'air congelés depuis longtemps. Oula, c'est profond. Ouais, ça pue, ouais. Mais je veux pas tomber là. Chemise. Énorme. Ben, j'ai pas très bien dormi. Bah là, tu vas bien dormir, frérot. Ah, pour toujours. Salut Aikito. Oui, c'est un nouveau jeu, Riot. Ben, j'ai pas très bien dormi. J'ai encore fait ce rêve bizarre. C'est maman. Quand je fais ce rêve, j'ai l'impression que je la perds à nouveau. Puis, il y a cette sensation. Un peu comme si j'étais surveillée. Comme si quelqu'un d'autre était présent. Je sais pas, c'est indescriptible. Lysandra. Ah, Lysandra qui se met dans les rêves de Nunu, c'est... C'est vicieux, hein, c'est vicieux. À l'attaque ! Montre-lui ce que tu sais faire ! Ah ! Bestiole de merde ! Mais c'est comme dans LOL, ça, en fait. Eh, s'il cassait des gueules comme ça dans LOL... Après, c'est dommage que j'ai pas d'ulti. Bah, après, on a... Ah ! On a vu ce que ça faisait, l'ulti, hein. Oh putain, mais y'a un daddy ! J'essaye, calme-toi. Calme-toi! Super. Oh, des bateaux. Ok, faut qu'on monte là-haut. Mais comment? Comment? Ah bah je suppose que... Oh! Ça bouge. Ça bouge. Ah oui, vas-y, saute, frérot. Oh putain. Une catapulte.
Génial, je vais mourir. Salut! N'assaut, frérot, vas-y là! On amorce! Et. No time! Aérien! Mais n'importe qui meurt là, hein. Après, Nunu, c'est pas n'importe qui, c'est un no time. Si ça va? Mais! Pardon. J'avais oublié. Si ça va? C'est génial! On peut recommencer? Vite! Non! Vite! Mais. Bon! Voilà! Maintenant, il faut te faire monter aussi, Willem! Approuve, ouais! Attends, t'inquiète, hein! Je vais y arriver! Je vais péter ça déjà! Y'a des trucs boum là! On va voler! Piétis volant! J'ai pas compris! C'est presque comme si on volait, pas vrai? J'ai adoré! Je me suis pris pour Anivia! Mais j'aimerais bien qu'on la croise, Anivia, hein, parce qu'on en parle beaucoup, mais... Je sais que Brom veut voir le poro géant voler. Offensé. J'espère qu'il va bien. Bah moi aussi. Je pense que Brom, ça va aller, hein, franchement... C'est quoi cette sphère bizarre? Oh, je dois encore jouer de la flûte. Growls. Tu peux la déplacer? Vraiment? Jure. Ah oui! Ah oui, bien vu! J'ai l'impression de jouer à The Last Guardian. Y'a pas une inspiration Last Guardian un petit peu dans le jeu? C'est peut-être le coup de l'enfant avec une créature qui me fait ça. On m'a dit que Lysandra a combattu le néant. Je comprends pas. Faire une bonne action ne veut pas dire être gentil? Putain, mais c'est exactement les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure. En fait, il suffit de pas parler et juste écouter ce qui se passe. Hein. On va enfin, oui, ils se posent les mêmes questions que nous, c'est normal. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Tu te sens bien, Willem? Et Willem, il aime pas quand on parle de Lysandra, de la glace obscure et tout ça. Ouais, dans The Last Guardian, il parle pas, c'est vrai. Eh, The Last Guardian est un jeu que je n'ai jamais fait, hein. Alors que je sais que c'est un excellent jeu. Je descends, là. C'est coincé. Oh non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non. Bah on peut faire le tour et trouver l'énigme, comme d'hab. Ah bah tiens. Bah tiens, on sort la flûte. C'est pas la bonne note, connard. Excellent. Qui c'est qui rugit là? Ça fait peur! On va voir Volibear, hein, je vous le dis. Hein. Merci, Willem. Je vois que quelque chose t'ennuie, mais tu continues de me porter. Sans toi, j'irai pas loin. Ça y est, on va pleurer. Je sais que je vais sûrement comme pleurer. Si tu étais ma famille, Willem. Pourtant, je suis pas un Yeti. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. Nous n'avons que l'autre comme compagnon. C'est ça, une famille. Tu es comme mon bouclier. Ça ne se présente pas bien, hein? Ça va être triste, putain. Ce jeu, il va être triste, je le sens. Je sais pas pourquoi, j'ai une... Oh, je vois rien du tout. Oh, on voit la lumière au bout du tunnel, c'est déjà ça. Ça va bien se passer, hein. Ne vous inquiétez pas. Par ici? Je vois, oui. On devrait peut-être aller par là. On va suivre la lumière, hein. Quoique... Non. J'allais dire, il y a peut-être des secrets. Non, c'est pas le moment. Clairement pas le moment des secrets, là. Et allez, bien joué. Tu l'as dit, frangin. Oh. Je ne sais pas du tout où on est. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, hein. De toute façon, depuis le début du jeu, c'est pas moche, Willem, les décors. C'est quoi? Peur. Je vois bien que c'est un corps. Je me demandais ce qu'il fait ici. Alors, avant de souffler dedans, est-ce qu'on irait pas chercher des secrets? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Qu'un moyen de le savoir, mais... Comment ça, oulala, oulala. Souris un peu, frangin. Attention, je souffle.
Non ! Il va invoquer vos liens. Ça va invoquer vos libères. C'était génial ! Encore plus fort que quand tu ronfles, Willump. Willump ? Je commence à me dire qu'on n'aurait pas dû souffler dans ce corps. Oh, le flot. Oh, le flot de l'animal. Ça ? C'était quoi ? Volibear ? Le vrai ? T'es sûr ? Oh, le big boss ! Qu'a dit Brom sur le pont ? Son conseil pour les héros ? Oh putain ! Ah bah ouais, je cours, hein. Fichons le camp d'ici, Willem ! Oh putain ! Oh mon dieu ! Oh le boss fight de con ! Aïe, je me prends les murs, pardon. Ah ! Aïe aïe aïe, ça pique ! Il est juste derrière nous, frangin ! Eh, mais y'a des murs ! C'est la merde, hein. Oui, il a quand même vachement plus de gueule que Horn, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'on l'a semé. Attendez, je vais aller le voir. Wow. C'est pas passé loin. On a réussi à semer Volibear, quoi. Voli. Je crois qu'on l'a semé. C'était pour la blague. Wow. Excellente blague, d'ailleurs. Très drôle. C'est pas passé loin. On se tape des barres. Bon, un stream marrant. On est en sécurité. Hop 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 hop. Entre de Volibear. Volibear aime se reposer sur les sites des anciennes batailles, entouré par le souvenir de la magie de ses affrontements d'autrefois. Le son du vent et de la neige se mêle à ses pensées et l'aide à se rappeler les grandes batailles qui ont forgé le monde, tandis qu'il attend le retour de son essence véritable. Comment ça, le retour de son essence véritable? J'ai raté un épisode dans son lore. Non, non, si, non. Je suis sûr à 99% qu'on est en sécurité. J'aimerais bien qu'il revienne quand même. Ce serait con d'avoir juste un petit caméo comme ça. Vers le bas, frérot. C'était vraiment Volibear ? Non, non. J'y crois pas. Si seulement Brom était là. C'était Yumi. Qui ne tente rien, hein. Ok. Valait mieux pas tenter, quoi. Wow. C'est pas passé loin. Chaque fois que je pars, je loupe les meilleurs passages. Oh non, je suis désolé pour toi. Non, si. Hop, l'entrée, non. L'entre. Je suis sûr à 99% qu'on est en sécurité. Ah non, Volibear quand même. Vous allez pas me faire disparaître Volibear dans un trou. C'était vraiment Volibear? Ouais. J'y crois pas. Si seulement Brom était là. Il y a des traces de ses griffes partout, hein, c'est stylé. Ok, il faut peut-être que je sorte ma grosse... Ah mais non, je suis con. Mais oui, mais bien sûr. On a le pouvoir de geler l'eau. Le rugissement du tonnerre. Il a aidé à créer Freljord, tu savais? Les Notailles avaient des tas de chansons sur lui. Nos plus vieilles chansons. Souvent des avertissements. Parce que Volibear, c'est pas le mec le plus sympa de Freljord, on va pas se mentir. C'est pas pas Joel Clodo. Maintenant je... Ah ! Oh non, oh non. Oh non ! Je crois que je regrette en fait. Oui ! Je vais quand même pas me taper Volibear là. Je crois qu'on va devoir se battre. On doit se battre contre Volibear. Ah. Ah, je connais ça, c'est dans LOL. Aïe. 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 Aïe, aïe, aïe. Et comment je me bats? À coup de boule de neige? Frérot, arrête. Oh, il parle. Oh la dingue. Comment je tape? Comment on se bat, frère? Comme ça? Ah non.
Maintenant, c'est maintenant. Ah non, c'est pas maintenant. C'est après, je pense. Attendez. C'est ici. Je lui fais pas de dégâts. Ça te fait rire? Mais évidemment qu'il rigole, c'est un dieu. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Ah! Qu'est-ce qu'il s'en fout de nos petites griffes? Je tape. Il faut qu'on utilise cette pomme de pain. La pomme de pain? Où ça? C'est la seule manière. Dans sa gueule. Vraiment mort comme un connard. Ah non, enfin, non, il est pas KO. J'ai rien dit. En fait, il est cool, c'est ça? Le plot? Willow! Pitié, me mange pas, pitié, me mange pas, pitié, me mange pas! Qu'est-ce donc? Sa voix est mieux que les enfants d'Anivia, un ourson de taille et un fils des montagnes, ensemble. Le monde ancien s'unit, prêt au glorieux combat. Ma sœur serait fière. Montrez-moi votre puissance, si vous voulez vivre. Qui flop? Il ne sait pas. Tu ne lui as pas dit. Peu importe. Il reste du temps. Arrêtez de teaser des trucs! Écoutez, un vrai rugissement. J'en ai, j'allais dire j'en ai fait. C'est en incroyable effet. Mais je crois pas que je pourrais jamais rugir comme vous, monsieur Volibert. Non. L'essentiel est que tu puisses rugir comme toi, ourson. La vraie puissance du rugissement vient de l'intérieur. C'est clair. Je comprends. Mon rugissement vient de l'intérieur. Je comprends pas. Allez maintenant. Vous m'avez assez dérangé. Je dois me reposer. Me préparer à ce qui vient. Comment on sort d'ici, au juste? On cherche la montagne ailée et... Ramshara. Évidemment. Vous êtes déjà arrivé. Merci. Merci mille fois, Seigneur Ours grand et sage. Nous nous reverrons, ourson. Un jour, la veille du combat. Et si vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez, je vous tuerai tous les deux. Ah! Bonne blague, monsieur Volibert. Il va pas vraiment nous tuer, hein, Willump? Willump? Alors, je m'attendais pas à ce que Volibert tape la discute comme ça. Willump. Dinguerie? Comment Volibert appelle cet endroit? Ramshara. Hop, Volibert, ce demi-dieu de Freljord, demi-dieu, maître des Ursidés, est le frère d'Anivia et d'Orn. Il rendit Lysandra aveugle pour la punir de s'opposer à la magie sauvage et primordiale de Runeterra. Mais je savais pas ça! Eh, j'apprends des trucs, hein. Ok, donc Lysandra est aveugle à cause de Volibert. Dinguerie, ok. Il vit pour le combat, les honneurs et les anciennes traditions de Freljord. Il enseigne à Nunu la vertu du vrai rugissement. Eh ben, je m'attendais pas à ce que Volibert soit aussi causant, franchement. Moi, je le voyais plus comme une brute qui pense qu'à buter. Et mais en fait, pas du tout. Dinguerie. On devrait faire la fête. On a survécu à notre rencontre avec Volibert. Et on est enfin à la montagne ailée. Pardon, ça m'a surpris. Il va falloir qu'on trouve comment entrer. Je peux taper plus ça? Plus vite, plus vite, plus vite. Ça, par exemple, c'était pas nécessaire, les voice lines qui se répètent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit Orn. Et ici, on a un petit... Ah non, c'est pas Orn. Ah, je suis con. Je pensais que c'était des statues des deux frères, mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des Yétis. C'est des Yétis. Ils sont énormes. Attendez, mais les Yétis, ils avaient une place trop importante à Freljord, en fait, les Yétis. Willem, tu connais ce lieu? Pas vrai? Tu peux me le dire. T'es déjà venu ici avant, hein?
D'accord, d'accord. On va juste ouvrir la porte. Toi, tu nous caches des choses, mec. Tu nous caches des choses, William. J'ai trop envie de savoir maintenant. Alors, quel est le projet ici? Je suppose qu'il faut ramener des grosses boules. On va voir, on va trouver. Hein. Ah, typiquement les bras de glace. Donc, là. On le forge? Comment ça, on le forge? C'est vrai qu'il manque un bras, il y a un bras qui est en glace. D'accord, ça c'est noté. Là-bas il manque des bras du coup. Donc je suppose qu'il faut que je sorte ma grosse flûte. Ouais. Tu me récupères ça, mon gros? William tue Nunu à la fin, ouais, sans doute. C'est sûrement ça le plot, hein. Allez, viens. Oui, c'est ça, Cerilda était muette et Avarossa sourde. Exactement. Hop! Oui, 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 oui! Bon, en tout cas, Nunu a un secret. Enfin, je veux dire, Nunu a une espèce de destinée chelou. Nunu a un pouvoir caché, il faut le savoir, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors, petit souci, voire même gros souci. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai compris, ok. Il y a sûrement des notes ici. Ah, il y a des notes, c'est bien ce que je pensais. Ok, alors. Ah, ok. Ah, mais non! C'était très bien comme c'était, remets! Encore! Voilà, parfait, mec, touche plus! Mais touche pas! Et là? Ah, par exemple, ça sert à R, t'as vu? T'as vu, ça sert à rien. Par contre, celle-ci, il faut la bouger. Il faut la bouger pour que ça aille vers le bas. Parfait. Voilà, tu touches plus! Tes bras ont un lien avec la porte, pas vrai? Jure! Maintenant, il faut que tu me soulèves ça, celui-là. Ah ouais, ou baisser ça, ça fonctionne aussi, voilà. Maintenant ça, il faut le lever. On touche plus. Et lui, là. Vers le haut. Excellentissime! Du coup. Bah non, du coup je vais ramener ça ici. Faut lire le lore de Nunu. Et croit qu'il a pas qu'un petit pouvoir. Ok. Comme ça je vais avoir la surprise dans le jeu. Il serait capable de s'abuer faire le Jord. Ouais, d'accord, je vois. Ok, on va le ramener là-bas. Allez, mets-moi ça là-bas. Je vais pouvoir mettre tous les bras corrects. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Bon, allez, recommence. Ok, on va tourner le bras. Et c'est ça. Let's go! Bravo, monsieur Willem! À quoi peut bien penser Willem? Je me demande aussi. Il va entrer dans la montagne ailée. Qu'est-ce qu'il me montre? Qu'est-ce que tu me montres, frérot? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je lui retire son bras? Mais si ça va pas annuler si je fais ça? Ah, mais je crois que de toute façon ça a validé le truc, donc c'est bon, je peux l'emmener là-bas. Mais alors le problème c'est qu'il me faut deux glaces. Il me faut deux glaces pour le truc. Ça j'ai bien compris, tu vois.
Alors peut-être qu'il faut juste que ce soit tourné dans le bon sens. Parce que là normalement c'est bon, c'est tourné dans le bon sens. Donc je vais essayer de tourner celui-ci. Très bien. Ok, parfait. Alors, non, celui-ci. Attendez, mais il est tourné dans le bon sens, lui, non? Je dis de la D. Comme ça? Non, je vois pas dans quel sens il est tourné, lui, ça m'énerve. Mais non, mais il était tourné dans le bon sens, hein. Ok, mais ça c'est bon, c'est le bon sens. Du coup, il faut soit que je trouve un deuxième cristal. Il y en a forcément un quelque part en vrai. Peut-être un deuxième cristal, sa mère. Oh non, ça va pas recommencer les not like this, not like this. On n'est pas sur Danganronpa. D'ailleurs, Danganronpa, il va falloir qu'on y retourne. J'arrête pas de le dire. Hein. Il faut vraiment qu'on y retourne. Mais y'a pas un deuxième touré doré ? Not like this, not like this. Lâche-moi cette flûte là. Flûte, 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 flûte. On l'a tous vu. Arrêtez! On n'a rien vu! Qu'est-ce qu'on a tous vu? Arrêtez, mais me prenez pas pour une couille. Ah, mais je vois ce que vous avez vu, je l'ai vu aussi. Mais je tourne un peu en rond parce que il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Regardez bien. Regardez bien par ici. Regardez bien. Si vous le voyez pas, franchement... Regardez bien, hein. Qu'est-ce qu'il affirme, l'autre? Regardez bien, hein. Hop. 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 Quand on va par là... Regardez, hein, regardez, hein. Hop. Et là, on voit qu'il y a un champ à récupérer. Et voilà. Fallait le voir. C'était un peu triste. Ça m'a rappelé ma maman. Attends, attends, ça parle de quoi? Ouais. Un champ ne peut être écrasé. Ce combat... combat abandonné, guerrier immobile, curieuse guerre, quand la mort est futile, les Notai arrêtent la guerre avec leur magie, notre pouvoir, ta mère, la... Notre pouvoir, c'est l'art, la musique, la poésie, et malgré la force de tous leurs combattants, une histoire ne peut être tuée, un champ ne peut être écrasé. Ah oui, c'est ce que sa mère disait. Oh la dinguerie. Et mon peuple? Surtout ce passage. Combat abandonné. Guerrier immobile. Curieuse guerre. Quand la mort est futile. Ils me manquent tous. Surtout maman. Ta mère, elle est morte. Je le dis comme ça, hein, gentiment. Hein. Mais bon, c'est pas de ça que je parlais quand je disais il faut le voir. Il y a autre chose qu'il faut voir. Et je suis sûr que vous l'avez pas vu. Regardez bien. Regardez bien. Attention. J'ai failli mourir. Hein, attention. Je descends. Attention,
Si on regarde ici... Ok. Et là... Si on s'approche et qu'on sort la flûte... Regardez bien. Bon, ça commence à me péter les couilles, cette histoire. Bon, déjà, je vais remettre ce bras-là dans le bon sens, hein, parce que ça commence à me travailler. Not like this, merde! Est-ce qu'il est dans le bon sens, lui? Oui, il est dans le bon sens. Bizarre cette histoire. Hein. Casse-lui les autres bras. Hein ? Putain, mais il est pas dans le bon sens celui-là. Mais putain, mais Willem, t'es un connard toi. Je t'ai dit de le mettre là, celui-là, mais putain. Mais gros con de Yeti de merde, ça fait 3 heures que je tourne. Ah, enfin quoi. Il est con, hein, Yeti. Il est con, Yeti, hein. Mais oui, on l'a ouverte. Du coup, on va pouvoir entrer et prendre le cœur bleu, hein, Willem? Willem le con. Hein? Ah, t'es con, hein? Hey, Willem. Tu sais que tu peux tout me raconter, pas vrai? Remarque, avec tout ça, j'ai réussi à trouver un champ. Hein. Alors que là, j'allais tracer sans le trouver. Donc, en soi. Je comprends pas. François. On est amis, pas vrai? Je pensais que, du coup, t'aurais plus jamais rien à me cacher. Ça y est, ça va commencer à faire j'aimerais ça, drama queen. J'aimerais que Brome soit là. Il ne me cacherait aucun secret. Ça y est, ça commence à s'embrouiller maintenant. Oh! Le réflexe, bien sûr. Y'a pas un secret là? Nyon! Saute! Ah, j'ai. Oui, bah c'est bon, c'est bon! Mais j'ai plongé dedans! Genre il meurt pas là. Hop là dans le trou. Attendez. Non, y a pas de secret ici. Hein. William, oh là tu là. Me fais descendre. Contrôle la glace, il peut pas faire descendre. C'est bizarre ça. Oh, c'est des ursidés. Ah ouais, c'est terrifiant. Ah non, c'est pas des. Oh merde, c'est des yétis. Ils ressemblent à des yétis, mais autrement, sauvages, effrayants. Mais oui, ça fait peur. Ils ont l'air de se battre entre eux. Comment ils ont été pris dans cette glace? Alors. C'est vrai qu'on dirait des Yetis comme Willem, mais en version vénère, qu'est-ce quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, retransformer? Qu'est-ce qui les a fait changer? Ouais, on dirait des trolls, ouais. C'est des Yetis énervés, quoi.
Alors là, j'ai envie de savoir. Non, mais maintenant, je veux savoir, en fait. Enfin, me faites pas ça, quoi. Yeti sauvage. C'est quoi cet endroit, Willem? Eh, frangin, tu vas bien? Oh non, il est tout triste. Ces Yeti ne ressemblent pas du tout à Willem. Surtout qu'ils ont que deux bras. Ils sont vraiment de la même famille? Alors ça, à mon avis, il doit y avoir un truc en mode les Yeti, on finit par être corrompus eux aussi. C'est peut-être un truc comme ça. Hein. Ils se battaient entre eux en plus de ça. Mais ils ont que deux bras, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec Willem, il est déformé? Vraiment des Yeti... Des Yeti vénères, mais vénères, vénères. Hein. Bon, il y a des secrets? Une fresque, genre... J'arrive, hein, je te console, mais... Je cherche des poros ou des fresques, là. Alors, balancer des... Si, mais ça sert à rien. Salut, t'as pas vu un poro qui pleure? Un poro qui pleure ou une fresque? Il est parti où, Willem? Ça ressemble à Agnar. Ah oui, ça ressemble à un méga Agnar, c'est vrai. On vient de là, donc ok, il faut que j'aille tout droit. J'ai une raison débile, si j'ai raison... Ah, j'ai une idée débile, si j'ai raison, ça spoil tout, donc je le mets dans une enveloppe. Oui, c'est bien, c'est le bon réflexe à avoir. Merci. Tu diras après si t'as eu raison. Si t'as eu le... Le flair. Bon flair. Il est parti, Willem? Ah oui, il est là-bas. Frangin. C'est horrible, tu vois toute ta famille, toute ta race gelée comme ça, corrompue. Je ne l'ai jamais vu aussi triste. Eh, tu m'étonnes, mec. Mais il s'en va! Hey, Willem! Quand on a vu ce camp Notaï, les miens m'ont tellement manqué. Est-ce que c'est la même chose pour toi ici? Mais. On se retrouve bientôt, hein? Mais c'est triste, de fou, putain de jeu. Ah, les musiques par contre... On sent que c'est Riot, hein. Salut Joki, oui, ça va et toi? Il est triste. Je voudrais lui remonter le moral. Pardon. Oh non. Oh non, le coup de trop pour Willem. Oh, il est déjà déprimé, putain, Nunu qui meurt. Cherche, Nunu, cherche. Parle-lui... Des Krugs, de Brome, des poros, de nourriture? Oh non, il est tout triste le gros Yeti, ça dégoûte, il y a des secrets par là? Mais putain, non mais c'est trop. Je suis où? Où? Ah c'est là que je suis tombé. Je veux juste voir s'il y a des... Ah non hein, ah, non c'est bon. Juste voir s'il n'y a pas des secrets. Non, je pense que c'est pas le moment. Ouais, je pense vraiment que c'est pas le moment. Bah, du coup, je me suis niqué tout seul. Ça me ramène au bon endroit, j'espère. Oui, c'est bon. C'est carré, mais malheureusement, je dois te laisser. Bonne soirée, bientôt. C'est correct. Willem? Eh, Willem, c'est pas grave si tu veux pas parler. T'as le droit d'être triste.
La peine est un loup des glaces. Tu connais ce dicton ? Maman a écrit un chant dessus, mais c'est peut-être pas connu. Ça fait « La peine est un loup des glaces. Même s'il hurle, prends garde à ne pas le nourrir. » Je crois que je comprends. Il faut essayer d'éviter les loups. Mais certaines choses vont te blesser quand même. C'est la vie, je crois. Oui, la peine est un loup des glaces, frangin. Mais je suis là. Toujours. Va nous faire chialer ce jeu avant la fin, je vous le dis. Qu'est-ce que ça veut dire, Ramshara ? Maison ? Ta maison ? Ou la maison de tous les Yétis ? Tous ? Willem ! C'est incroyable ! Bah dis donc. Ramshara, c'est la maison de tous les Yétis. C'est marrant, ça développe grave le lore des Yétis et tout ça. Hein. J'y connaissais rien moi avant à tout ça. Hein. Je tiens à saluer la VF qui est de grande qualité bien sûr. La voix de Nunu est pas insupportable. Dans l'ensemble, ils ont repris les mêmes doubleurs, même pour Brome. Hé, hey, frangin, où est-ce que tu vas ? Wouah ! Toute une ville de Yeti ! J'y crois pas ! Éclairer la ville ? Ok, je te suis. Ok. Salut Toko, ça va petit chat ? Ouais, ouais, ouais ! Qu'est-ce que tu veux ? Attends, mais j'entends un truc qui fait du bruit comme un... Comme le truc des champs, là. J'essaie de me repérer au bruit pour les secrets. Ou alors c'est peut-être que juste tout est magique, du coup tout fait le même bruit. Mais là je l'entends là. Ok. Allons-y. J'ai l'impression que c'est juste parce que les trucs sont magiques que ça fait un bruit de scintillement. Ok. Ah non, non, pas ok. Ça marche pas ? Là, ça marche, bien sûr. Oh, ça a failli mal tourner. C'est Anivia. Oh, Anivia. Oh, attendez, attendez, alors là... T'as vu ça ? C'est une note magique pour Svelsungur. Ah ouais ? Oh putain, il va falloir que je m'en souvienne ! Oh, oh, oh ! Ok, alors... Ah, attendez... Ok. Vers... Alors... Le haut gauche ! Au bas droit ! Ça c'est quoi ? Bas droit ! Et ça c'est ? Okay. Tout vers haut. Ok. Alors ça fait... Le haut gauche ! Au bas droit ! J'ai oublié ! Putain de moi ! Ah oui. Bas droit, oui c'est vrai, ok.
Alors, le haut gauche, ouvert droit, le bas droit, tout en bas. C'était tout en haut! Pardon. Le haut gauche, le bas tout vers droit, le bas droit, tout en haut. C'est pas ce que je devais faire. Je viens de me faire chier pour rien là. Putain, je devais me mettre ici. Comment ça me péter les couilles ce jeu? Oh putain, les trucs d'Anivia, c'est stylé par contre. Des yétis, hein. Jouant. Ah ouais, des yétis. Du tambour? Tambour. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prient Anivia? Plus compliqué, hein? Ah. Ah, les yétis et Anivia, c'est une grande histoire quand même, hein. Ah oui, mais les yétis avaient tous des quatre bras, vous voyez? Guettez ça, ils avaient tous quatre bras, alors pourquoi les autres avaient deux bras? Ok. Peut-être que quand ils sont corrompus, ils perdent deux bras. Ouais, c'est bon, ouais. Ah mais putain, mais c'est marqué, en plus, je me suis fait chier pour rien. Ah oui, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Ting, ting, ting. Ok. Ouais, c'est bon, ouais, j'ai compris. Ok, je suis trop fort. Ensuite. Merde. Ouais, je me suis trompé, ouais, vas-y, recommence. Oui, non, non, oui, j'ai compris, pardon, excuse-moi. Trop fort, Nalf. La dingue. Ha. Oh, ça va slide fort. Oh, c'est beau. Putain, mais c'est beau. C'était beau chez les Yétis. Yeti, une ancienne espèce de créature magique qui s'est éteinte durant la guerre des Trois Sœurs. Avant qu'ils ne disparaissent, les Yetis étaient des créatures paisibles et joueuses, et les seuls capables de créer la glace pure, l'unique substance pouvant arrêter les ténèbres du néant. Willump est le dernier des Yetis. Les Yetis sauvages est une version violente et agressive des Yetis. Ces créatures ont perdu leur magie, leur nature joueuse, et deux de leurs quatre bras. Voilà, on a toutes les réponses de toute façon. C'est au plus fort de la guerre des Trois Sœurs, quand leur capacité à créer de la glace pure a été... De la glace pure... Ah, la crème ? Super. Merci pour les 25 mois, ta couscous. C'est gentil. C'est au plus fort de la guerre des Trois Sœurs, quand leur capacité à créer de la glace pure a été drainée pour sceller le néant, que les Yétis sont devenus des Yétis sauvages. Ah oui, d'accord. Oh putain, mais bon putain. Quand je serai au courant de tout aussi, moi. Et du coup, Ramshara, l'ancienne cité des Yétis, ces créatures magiques qui avaient le don de créer de la glace pure. Ramshara était un gigantesque terrain de jeu où les Yétis jeunes et vieux, s'amusaient sans cesse. Après la guerre des Trois Sœurs, les Yétis perdirent leur magie et Ramshara n'est plus qu'un monument à la mémoire de leur magnifique passé. Putain, c'est trop triste, c'était une race de fous. Et un toboggan magique. Incroyable. Luge Yeti. Putain, mais c'était une race trop bien, c'est dégueulasse. Putain, ils étaient joueurs et tout, fait chier. Avant de prendre le toboggan, secret. Il y a sans doute des secrets. Dites-moi qu'il y a des secrets! Au moins des poros, des trucs comme ça, quoi. Ici? Ici, il y a peut-être un truc? Mais non, il y a que dalle. Et là, c'est pareil, il y a que chi. Il y a Pozob. Walou. Alors peut-être par là aussi, hein, peut-être par là. Hop, hop. Bon allez, vas-y, je me casse. Quoique, il y a peut-être des trucs, hein. Non mais j'en viens de là, donc il n'y avait rien. Tant pis, on va prendre le toboggan.
Let's gong! Plus vite, Galivia! Et tu as déjà dit hein, au moins 6 fois. C'est quand même une très très belle cité, hein, putain. Y'a quoi derrière cette porte, Willem? Les trésors des Yétis? Attends, des trésors? Y compris le cœur bleu? Ensuite, ouvre la grande. Ok. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. C'est en effet un jeu sur Nunu et Willem de League of Legends. J'ai pas écouté ce qu'il a dit malheureusement, mais j'y vais. J'aurais aimé venir à l'époque quand il y avait plein de Yétis. Ah ouais, ça devait être la dingue. Et les glissades, c'était juste pour se déplacer ou aussi pour s'amuser? Les deux. Je le savais. Les deux. Les deux, quoi! Bon. Y'a pas des secrets? J'ai l'impression d'être sur une planète de Outer Wilds. Ok, hop. Faut pas que je me rate, là, hein, je vous le dis. Vite! Vite! Oh merde! La flûte! La flûte! Non, vite! La flûte! J'avais pas vu qu'il fallait sortir la flûte, je suis deg! Ok, ça va bien se passer. Je rate jamais! Ça va pas bien se passer. Touché! Mais je suis con! Pardon, excusez-moi. Hein. La flûte! Ok. Bien joué, Nufle. Glingeling, pouf! Pas de secret? Non, c'est bon, on y va? Oui! Et les Yétis avaient un chef? Alors, tous les Yétis étaient égaux? Ça ressemble beaucoup aux Notaï. En plus gros et plus poilu. Ouais, mais le problème, c'est que... Arrêtez de nous dire que les Yétis étaient une race formidable, elle est éteinte. Proche. On progresse, Willem. Donc ça fout le somme. Ça sert à rien. Ep, 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 ep. Vous l'avez vu, je l'ai vu. On l'a vu. On l'a tous vu, ok? Tada! Oui! Oh putain, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Bouclier en gelant les éléments. Ah putain, ouais. Ok, très bien. Faut que je le pète lui. Ok, je l'ai pété lui. Ah oui, en effet, ça pique. Yeah, hit. Je leur pète la gueule, moi. Ça va me faire chier. Dans le mille. J'ai mal. Il peut tuer des gens avec sa flûte, quoi. C'est fou, ça. La glace obscure les rend forts, non? Willem,
La corruption semble plus forte, mais elle est faible. Un yéti philosophe. Tellement profond que ça va rien dire. Du coup... Ah, il va falloir faire... mais c'est par où qu'on fait... Mais on y est depuis le début du jeu! Qui est con ce môme? Ensuite. Plus vite, Canivia! Hop là! Hop là! Alors, ça c'est quoi? Superbe. Je peux y aller? Et ensuite ? Ah, je me suis foutu dedans. Je me suis peut-être foutu dans la merde. Oui, en effet, oui. Ah oui, je me suis peut-être foutu dans la merde, en fait, j'aurais... Ah non, c'est bon ! Ah ah ! Peut-être des secrets ? Non ? Bon, c'est pas grave. On va atteindre le deuxième tambour ! Le tambour ! Le tambour ! Regarde ! Des fragments de glace magique ! C'est ce qu'il nous fallait ! Ils sont où ? Bah, ils sont où les télédoulis ? Oh putain ! Oh putain ! Oh le con ! Oh le con ! On va atteindre le deuxième tambour ! Il y a un secret là, je l'ai vu. Regarde, des fragments de glace magique. Regardez ici. Là, là il y a un truc là. Je sais pas si c'est un son ou un poro. Je vais aller explorer un peu. Salut. Salut. Des fresques ? Des fresques ou un poro ? Peut-être un chant ? Moi ce qui m'intéresse le plus c'est les fresques, mais bon. Après, les poros sont mignons, hein, mais ils apportent rien à leur esthétique. Ah merde! Il y a une autre couronne de fragments ici. Oui, en effet, lululu. Ouais, mais alors il me faut Willump si je veux faire ça. Non. Mais oui, c'est sympa, mais si j'ai pas Willump, ça sert à rien. Putain. Putain. Oh putain. Attendez, mais il fait. Il fait trembler le sol, l'autre. Il est où ? Oh putain, t'es là. J'essaye de te faire monter ici. Ouais, faut que tu montes, hein. Là, je peux pas, là, je peux pas. Ça, je peux rien y faire. Non, je peux rien y faire. Ouais, tu veux monter, hein. Faut que je fasse... Ah, faut que je soulève ça, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris, ça va bien se passer. T'inquiète. J'arrive. Oui, oui, oui. Je peux peut-être. Ah non, je peux pas. Ah putain, je suis tech. J'ai besoin que Willump soit ici pour me faire ce passage là, vraiment. Alors attends, je réfléchis à comment te faire monter, hein. Ça va bien se passer. Je me suis dit, je vais quand même pas mourir en faisant ça, quoi. Je sors la flûte au cas où je vois des trucs. Je peux pas. Je peux pas. Non, ça, je peux pas. Ok. Bouge pas, Willump! Ouais, couche-toi, t'as raison, ouais. Ok. Ah, mais non! Non, mais ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Tant que Willump est pas là, ça sert à rien. Ça sert à R! Est-ce qu'il faut pas que je sois en bas pour lui monter le truc, en vrai? Eh, hey, tu crois qu'il faut que je sois en bas, dis? Ah. Il y a un truc pour de la glace aussi. Écoute, je vais descendre, hein. Mais oui, oui, bah j'arrive, hein. Attends. Ah bah ça me tue. Excellent. Excellent, mais du coup... Oh !
Eh oh, les chats, là, doucement, là. Eh, pas le moment de jouer ici, là, je vous le dis. Hein. Ok, il a pu monter, super. Maintenant, mon gros. Mais d'où ça me tue, en fait? Je saute que de 8 mètres, hein. Ok. Tac. Attention. Tali, arrête, va-t'en. Pchit. Va-t'en, le chat. Hein. J'arrive. Pui, pui, di, pui, pui, di, pui, pui. Ça tourne la statue. Oh putain. Du coup, je suppose qu'il faut que je la tourne par là. Comme ça, j'amènerai la glace. Avec la glace. Oui, ça, je peux le geler, bien sûr. À quoi ça sert? À rien. Quoique. En effet, ça sert à rien. Toko, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Ok. Ok, je sais que je peux l'amener ici, normalement. Ah merde, j'ai pas tourné la statue du coup, mais est-ce que ça fonctionne d'ici? Non, ça fonctionne pas d'ici. Alors. Alors ça c'est réparé, donc ça c'est cool. Excellent! Mais c'est excellent! J'ai plus qu'à la tourner en direction de Wham. Non! Ça tourne la statue! Jure! Voilà, comme ça. Maintenant je refais un touloudoudou et puis je l'emmène à la statue. Après, je pense que je peux aller le chercher ici. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je sais pas à quoi ça sert sur la statue, par contre. Attendez, à quoi ça sert? Parce qu'il faut que je le mette là, de base. Et puis voilà. Putain, mais en fait, tout se passe comme sur des roulères. Oh. Tout. Ça devait être cool ici, à l'époque où les Yetis étaient pas tous canés. West. Tu as raison, on l'a fait. Let's go. Hey. Désolé, je voulais entendre l'écho. Cet endroit est grand. Ouh. Ah, boum. Quoi, on en a fait que 2 sur 3? Et 2-2. Quelle prise de tête. Ah ouais, tu l'as encore dit. Encore un de plus. Oh putain.